Salut à tous! Aujourd'hui, je vais présenter ma collection, mais de façon un peu différente. Je vais faire un peu par épisode. J'avais envie de commencer par ma collection de vinyles, voilà, que j'ai débuté depuis peu. Et après, au fur et à mesure, je ferai d'autres épisodes. La prochaine, d'ailleurs, bah, ça va être les Steelbooks. Écoutez, on va pas rester 10 piges dessus. Je vais commencer tout de suite. Alors, on va commencer au plus simple. Donc, The Greatest Showman. Voilà, c'est... Je trouve que c'était un vinyle qu'il me fallait sur un film que j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément le plus apprécié. Voilà, c'est pas au niveau d'un La La Land en termes de film apprécié, on va dire. Bon, c'est un film que je tiens beaucoup à cœur, en tout cas. J'étais content d'avoir la BO parce que c'est vraiment le point fort, on va dire, du film. C'est vraiment ça. Et je trouve qu'il y a une belle réale, mais vraiment, les musiques sont assez impactantes pour moi. Donc, il me le fallait en vinyle. Voilà, vinyle magnifique de Mad Max Fury Road que les frérots Romu et Anto m'ont offert. Donc, voilà. Belle pièce, ça, je suis hyper content de l'avoir, c'est extraordinaire, voilà, avec la musique Two Brothers in Arms qui est incroyable, mais franchement tout le long du vinyle, vraiment c'est des musiques magnifiques, voilà, donc qui s'agrémentent bien avec le film, voilà, c'est vraiment une pièce de collection que j'affectionne énormément, voilà. C'est vrai que les vinyles je les mets pas avec ma collection, mais après c'est des grosses pièces, je préfère le mettre dans une belle caissette en bois, voilà, je mets tous mes vinyles, je sais pas, j'aime bien avoir tous mes vinyles ensemble. Voilà, pour la pièce Mad Max Fury Road. NWA. Voilà, donc je pense que c'est un album de légende. Hein. On va pas dire beaucoup plus hein, sur cet album-là. Hein. C'est vraiment l'album de légende. Gros album, quoi. Bon, forcément, hein, classique. Hein. Michael Jackson, Thriller. Une édition particulière qui avait été refaite. Tac. Oh, c'est une belle pièce de collection. Ouais, parce que depuis 2 ans, je dirais, je kiffe beaucoup le groupe PNL. Voilà, j'aime beaucoup leur travail, surtout les deux derniers albums. Quoique le premier album, finalement, je commence un peu à apprécier un peu la saveur. J'ai pris mon temps, mais voilà, dans la légende, c'est l'album qui m'a fait vraiment apprécier PNL. J'ai beaucoup aimé leur travail et tout. Je me suis beaucoup intéressé. Deux frères, ça fait quoi, 1 an et demi que j'écoute l'album en boucle pour vous dire voilà, que j'apprécie beaucoup leur travail. Un vinyle sur... bah, y a plusieurs musiques liées au cinéma, voilà, donc il y en a 10. Voilà, concrètement, je vois Star Wars, Superman, E.T., James Bond, Moulin Rouge, voilà, pour ne citer que. Ouais, très intéressant, franchement, des petites musiques assez mythiques et tout. J'aurais préféré qu'ils en mettent un peu plus, mais je pense que... bah, après, faut les droits, hein, forcément. Hein. Donc, assez intéressant, voilà. Je suis quand même conscient quand même de l'avoir, c'est une belle pièce. C'était à Noz, voilà. Je sais pas s'il en reste. Bon, en même temps, c'est fermé en ce moment, donc ça va être un peu compliqué. Mais à la réouverture, voilà, c'était à Noz, pour info. Voilà, je suis très content d'avoir ce vinyle-là, A Star Is Born. Voilà. C'est un film que j'affectionne énormément, voilà. J'ai le Blu-ray... version longue. A Star Is Born en vinyle, je suis assez content de l'avoir. 10 vinyles, 10 fans de films. Bon, forcément, La La Land, c'est une évidence. Voilà, c'est un album, je trouve, qui s'écoute un peu sans fin, même plus que The Greatest Showman et tout. The Greatest Showman, c'est des belles musiques et tout, mais je pense au bout d'un moment, si tu les écoutes pendant 6 mois, bon, ça peut te gaver. La La Land, je pense, ça s'écoute un peu sans fin. Tu peux l'écouter genre tranquille, tu bois l'apéro, tu fais un truc et tout, tu te mets ça en fond, ça passe toujours très bien, La La Land. Je pense que c'est le vinyle à mettre, voilà, un peu comme un Thriller, comme un Bad. C'est un album que tu te mets comme ça et tu kiffes, quoi. Ça, c'est un peu à l'effigie de l'époque, les CD de titres. Je sais pas si vous vous souvenez, voilà. Donc, c'était un ancien vinyle que j'avais, avec plusieurs éditions de Thriller, version longue et tout. Ouais, c'est ça, une spéciale édition, et c'est la version live et tout. Voilà. C'est une belle pièce que j'ai. Vraiment, je suis fan de Michael Jackson, donc mon but, c'est d'avoir tous les vinyles Michael. J'aimerais bien avoir l'édition ancienne à chaque fois, et pas toutes les éditions, tous les pressages, mais l'ancien pressage, au moins un ancien pressage, peu importe l'année, et un nouveau pressage, voilà. C'est un peu mon objectif que je veux pour les Michael, parce que je suis fan, voilà. Il n'y a pas de... C'est un objectif. Un des vinyles où je suis le plus fier, c'est Interstellar. Voilà, je peux pas dire plus de choses. Dès que je l'ai reçu, je l'ai écouté je ne sais pas combien de fois. C'est vraiment un vinyle de cœur. Celui-là, je suis hyper content de l'avoir. C'est une pièce magnifique. Once Upon a Time in Hollywood. Voilà, c'est un petit vinyle, franchement, qui s'écoute vraiment bien avec des musiques très agréables
à l'écoute, c'est super sympa à écouter. Voilà. Tarantino, c'est toujours bien choisir ses sons, hein, un peu comme dans Les Gardiens et tout de la Galaxie. C'est vraiment. Il trouve toujours les bons sons de l'époque et tout. Là. Nickel, franchement, ça un bonheur à l'écoute. On a vraiment l'impression d'écouter en plus la radio et tout, c'est vraiment bien fait. Dit fan de rap, forcément, il me fallait un groupe culte. Voilà, j'en aurais d'autres, bien évidemment, mais la Funky Family. Enfin, je sais que tout le monde pensait que j'allais dire IAM. Il me le faut aussi, hein, effectivement, l'école du micro d'argent. Mais Art de rue, c'est une pépite, quoi. Tout est mélangé, tout. C'est un bonbon, cet album. C'est un bonbon, il s'écoute sans fin. Il est fou. Vraiment, il est fou pour ceux qui connaissent pas Funk Family. Mais bon, je pense que si vous connaissez Funk Family, c'est que vous connaissez un peu le rap, voilà. Je conseille. Je conseille. C'est un groupe marseillais avec un Toulousain dedans, d'ailleurs. Donc, choix. Je conseille. Les Gardiens de la Galaxie, volume 1. Donc voilà, bon, c'était une évidence, voilà, c'est des musiques très connues, mais là au moins on a le condensé de ce qu'il y avait dans le film, de ce qu'on a apprécié. Il me faudrait le volume 2, c'est vraiment voilà, un album pareil qui s'écoute très bien. C'était un vinyle à avoir, voilà, je suis très content de l'avoir, c'est une belle pièce. Comme tout à l'heure, je parlais de pressage, voilà, ancien pressage de Thriller. Je ne sais pas si je peux avoir la date dessus, 1982. Donc voilà, ancien pressage, je suis très content de l'avoir celui-là. Ouais, une petite pièce ancienne. Il me faudrait. Bah, c'est sûr déjà qu'il me faudrait le bat déjà, c'est ma priorité. Après les autres, je sais pas s'ils sont faciles à trouver. Voilà, comme tout à l'heure, je vous parlais de PNL, voilà, mes deux frères. En PES, ils ont vraiment des vinyles magnifiques, mais surtout c'est leurs coffrets, hein, qui sont très 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 jolis. C'est des pièces vraiment sublimes. Hein. Je suis très 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 content d'avoir parce qu'ils ont fait un sacré travail sur leur vinyle. Voilà, comme vous avez pu voir sur l'intro, hein, c'est le vinyle rouge, c'était de The Weeknd. Starboy, vraiment vinyle magnifique, quoi. C'est un fou avec ses vinyles là. À chaque fois, il fait des vinyles de couleur. J'aimerais bien avoir celui-là qu'il avait fait avant. C'est des vinyles verts, voilà. J'aurais pas l'édition du nouveau, l'édition stylée. Je crois que c'était blanc et dedans, je crois qu'il y avait du sang au milieu. J'aurais pas celle-là. Elle est un peu rare maintenant. Elle est chiante à trouver. Mais j'ai déjà précommandé le After Hour. Je pense qu'il va être en noir classique celui-là. Après, j'ai pas plus d'informations dessus. Mais je suis très content d'avoir Starboy. Voilà. C'est une pépite. C'est une pépite pour le coup. Le vinyle Joker avec le vigne et le violet. Hein. De toute façon, à chaque fois, je vous mets les photos, hein, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, mais Joker, c'est content d'avoir. Je suis juste très déçu, c'est qu'il n'y ait pas la musique de la scène où ils dansent, en plus qu'ils mettent vraiment en avant sur la pochette du vinyle. Il n'y a pas la musique quand il se met à danser et tout, alors que c'est la meilleure musique. Je comprends pas. Si quelqu'un a une information, pourquoi il n'y a pas cette musique-là? Est-ce que c'était une musique à part de quelqu'un d'autre et du coup pas de la musicienne qui a fait je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. Ah, le vinyle de Bad, voilà, bon, là, forcément c'est la réédition, voilà. Très joli, très déçu par contre, c'est qu'il y a une piste Dirty Diana à chaque fois qu'il saute toujours au même moment. Donc il a un défaut, celui-là, il a vraiment un défaut de pressage. Je sais pas si c'est le pressage ou je sais pas si c'est mon lecteur vinyle. Voilà, je viens de voir d'ailleurs que je l'utilisais pas forcément bien, donc maintenant j'essaie de faire attention quand on s'y connaît pas, voilà. Et puis apparemment j'ai pas le meilleur lecteur vinyle, j'ai pas le meilleur tourne-disque qui existe, c'est clair, parce avec les enceintes associées. C'est pour ça que je vais pas tarder à me prendre une enceinte comme ça, il y aura plus l'enceinte dessus en tout cas qui s'utilise et qui peut faire potentiellement sauter mon vinyle. Mais après. Genre mon Starboy, je sais qu'au début là quand je commence à le mettre, il va sauter on va dire sur 1 ou 2 secondes, voilà, il va sauter sur une ou 2 secondes dès le début on va dire. Pourtant je le mets dès le départ. Je sais pas, je crois qu'il y a un bug au niveau du début. Je sais pas si c'est ma platine qui m'a fait rayer mon vinyle. Aucune idée. Je pense que ça doit être ça, mais je crois que ça l'a fait dès le début, donc c'est peut-être le pressage qui était pas top. Bon, après c'est 1 ou 2 secondes dès le début, tout le reste après est ok, donc c'est pas très grave honnêtement. Par contre, Bad, ça me fait un peu chier, pour ça qu'il faudra que je me prenne l'ancien pressage, quoi. Là, c'est vraiment pour décoration, on va dire. Voilà, Django. Django Unchained, voilà, gros soundtrack, voilà, une BO magnifique, j'adore. Surtout la musique Freedom qui est la meilleure dedans avec Anthony Hamilton, un artiste que j'aime beaucoup aussi. Voilà, Django dans mon cœur, et ce qui est fou, voilà, c'est qu'il te balance un Tupac qui sort des fagots, tu sais pas d'où ça sort, mais il te met un Tupac normal dans un western. Je trouve ça tellement culotté de Tarantino. Bon, c'est un gros film que j'aime beaucoup. Bah, je suis très content que vous ayez suivi cet épisode-là.
je vais tourner la Steelbook, voilà, incessamment sous peu. Donc j'espère déjà que celle-là, ça va vous plaire. Partagez autour de vous et tout. Et mettez pas mal de commentaires. Je vois que j'ai pas beaucoup de commentaires hein, ces temps-ci. Donc mettez pas mal de commentaires qu'on puisse interagir et tout. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Donnez-moi vos avis et tout. Avis sur la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt les gars. God, we don't pray for love, we just pray for cause.